Oui, allô, bonjour. Quel est votre Allô, bonjour prénom, s'il vous monsieur. plaît? Jeannine. Jeannine. Et votre date de naissance? Le 3 du 12 1952. 3 du 12 en 52. Et vous nous appelez d'où? De Jambes. De Jambes, dans la Oui. région de Namur. Exactement. Ok. Et que désirez-vous savoir? Sentimental. Sentimental. Vous Oui. êtes seule depuis un moment. Oui. J'ai l'impression que vous êtes un peu même désespérée parce que Oui, beaucoup. dans ce que je ressens, on me parle qu'il y a eu quelqu'un, mais ça n'a pas toujours été très bien avec cette personne. Et donc au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous avez un peu peur de refaire confiance à quelqu'un. Oui, tout à fait. Alors, ça, je le ressens très fort. Bon, il y a encore une petite traversée du désert, donc moi, je dirais 2 à 3 mois encore où c'est pas évident. Maintenant, vous me direz, ça fait quand même quelques années hein, que vous êtes mal. Hein. Donc, Oui, très. Oui, c'est vrai. on n'est plus à l'après de 2 ou 3 mois. Mais moi, je vois une renaissance pour vous, une clé de réussite. Vous avez de très, très belles cartes. J'ai un bon ressenti aussi. Donc, après des épreuves difficiles, justement, pour moi, vous avez la clé en main pour rencontrer quelqu'un et que votre vie change du tout au tout. Parce que je vois vraiment un changement de vie. On dirait que c'est vraiment une personne qui arrive dans votre vie, qui vous tire vers le haut. Parce que là, pour l'instant, ben, vous êtes entre deux feux, vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais il y a, Non, pas du tout. voilà, mais il y a vraiment quelque chose qui va faire que voilà, enfin, vous allez rencontrer pour moi la bonne personne. Et dans ce que je ressens, il y a quand même pas mal d'aspects positifs à ce niveau-là. L'amour avec une belle lumière. La sagesse. Donc, pour moi, vous rencontrez une personne qui est à peu près comme vous, qui a souffert, qui a eu des moments compliqués dans sa vie. Et au jour d'aujourd'hui, elle a envie de construire une relation stable. Bon, c'est pas Ah avant oui, plus ou moins d'accord. 3 mois que vous rencontrez cette personne. C'est pas quelqu'un que Oui. vous connaissez, pour moi, ou alors vous le connaissez de vue, mais ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez vraiment personnellement. Au jour d'aujourd'hui, vous n'imaginez pas qu'il pourrait se passer quelque chose avec cette personne. Donc c'est vraiment pour moi une nouvelle personne. Et dans ce Oui. que je peux ressentir, moi, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui est là et une certaine forme d'alchimie, si on veut vraiment. Pour moi, je ressens cet homme comme quelqu'un qui a eu beaucoup de chagrin et ça rejoint un peu votre histoire. Donc, quelque part, tous les deux, vous allez pouvoir peut-être parler de certains problèmes. Et des fois, le fait d'en parler, ça fait du bien. Et Oui. en fait, le fait, ben voilà, de ne plus être seul et lui non plus ne plus être seul. Je vois quelque chose d'assez fusionnel. Hein. C'est pas pour moi un Oui. compagnon de route. Hein. C'est vraiment un amoureux. Bon, on ne tombe pas amoureux du premier jour, mais au fil Non. du temps, que les mois passent, qu'on apprend vraiment, vraiment, véritablement à se connaître, moi je vois qu'il y Oui. a des bons aspects qui sont là et donc il faut pas, pour moi il ne faut pas trop vous tracasser. Pour moi vous avez les cartes en main pour pouvoir justement Avancer. avancer, voilà, aller de l'avant. Et oui, vous avez vraiment les cartes en main pour avancer et pour dire de reprendre votre vie un petit peu en main. Parce que j'ai Oui, l'impression c'est que un cette peu temps dernière. parce que Voilà, ça ça. devient maintenant pénible. Mais je vois bien que depuis plusieurs années, c'est un peu catastrophique. Il y a des gens aussi qui vous ont fait la tête, des amis ou quoi, des gens que vous avez perdus dans votre Oui. entourage. Oui, Mais beaucoup, voilà. oui, quand Mais même, oui. voilà, ça se ressent très fort. Mais moi, je vous dis, j'ai ce chiffre 3, donc je dirais 3 mois plus ou moins. Pour moi, il y a une rencontre qui se fait et tout doucement, donc on va évoluer pour aller évidemment de l'avant, on ne va pas régresser. Et je vois que ça va aller quand même assez bien avec les personnes Bon, pas les mauvaises personnes avec qui vous vous êtes disputé ou qui se sont éloignées. Pour moi, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Non seulement l'amoureux, mais autour de ça, il y a aussi de nouveaux amis, de nouvelles connaissances au Oui, départ. exactement, Et oui. vraiment un changement de vie. Et j'irais même jusqu'à dire que moi, je vois un déménagement. Restez confiante et moi, Oui, je d'accord. peux vous promettre que les choses vont aller mieux.
Voilà pour vous, ma chère Jeanine. Je vous remercie du fond du cœur. Mais avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.